Bonsoir à tous. Alors, une perturbation va traverser notre pays demain et ce sera très vraisemblablement la seule et unique de la semaine. Cette perturbation ne sera pas spécialement active puisqu'elle arrivera dans un champ de pression relativement élevé. Les pressions étaient hautes ce week-end, d'un temps stable, généralement bien ensoleillé, avec ce dimanche des brouillards qui se sont même dissipés régionalement, notamment autour du bassin Lémanique. Et puis en cours d'après-midi, on a vu affluer des passages nuageux plutôt d'altitude à l'avant de la perturbation donc attendue. Les températures étaient toujours très douces localement. On a dépassé les 16 degrés. Perturbation qui va arriver demain matin depuis l'ouest et traverser notre pays d'ici à demain soir, mais ne donnera pas forcément des précipitations partout. Et déjà mardi, c'est en six cyclones méditerranéens qui prendra le relais et qui sera probablement actif jusqu'à la fin de la semaine. Ce soir, cette nuit, selon les spécialistes de météo suisse, la couverture nuageuse va se densifier. Ainsi, progressivement, les brouillards vont se dissiper, mais dans un premier temps, ils pourront encore être présents. Donc attention aux problèmes de visibilité. Demain matin, un ciel le souvent gris, agrémenté de quelques averses qui commenceront par le Jura, autour du bassin des le Plateau, encore les Préalpes. Normalement, le Valais, le sud des Alpes et les Grisons seront en marge, avec encore quelques éclaircies, limite de la neige élevée puisque située à 2000 mètres d'altitude. Demain après-midi, la grisaille va s'étendre. Les précipitations toucheront également l'est du pays. On pourra en avoir aussi dans le Chablais, mais elles seront faibles dans l'ensemble. Et puis, elles devraient épargner le Valais central. Et sur le Tessin, Nagadine, ce sera retour du soleil. Les températures demain à l'aube 0 à moins 2 degrés dans la vallée du Rhône, sinon des valeurs déjà très douces, 7 à 8 degrés par exemple autour du bassin lémanique, l'après-midi des valeurs relativement homogènes entre 9 et 12 en moyenne sur le plateau, 6 si à 8 dans la vallée du Rhône, ce sera moins chaud par contre en altitude, on attend 8 degrés à la chaude fonte contre les 15 du jour. Le vent de sud-ouest va se renforcer, il sera parfois fort sur les crêtes du Jura ou encore en haute montagne et puis nous aurons quelques rafales possibles sur le plateau. Ensuite, eh bien, pas beaucoup d'évolution à partir de Mardi et jusqu'à vendredi, ce seront des conditions anticycloniques et stables. Peut-être quelques passages nuageux plus nombreux mercredi. Et toujours ces grisailles attendues sur le plateau, plus ou moins tenaces, sinon un bel ensoleillement et une grande douceur, entre 8 et 10 degrés en moyenne. Et ce sera donc un jour de Noël plutôt au balcon. Pour l'est du pays, également des grisailles attendues sur le plateau, sinon un bon ensoleillement en montagne et des températures élevées. Au sud, ce sera généralement bien ensoleillé. Notez que Jeudi, des entrées de nuages bas sont à prévoir tout au sud du Tessin. Voilà, vous savez tout des prévisions. Demain, c'est Nathalie Sbaï qui prendra le relais pour les bulletins météo. Je vous souhaite pour ma part une excellente soirée. Elle se poursuit sur notre chaîne avec le magazine Mise au Point présenté par Elisabeth Lejean. Bon début de semaine, à bientôt. Au revoir.